Alors ces arbres-là, ils peuvent avoir entre 150 et 180 ans. C'est des arbres qui poussent très très peu vite ici. C'est ce qui est recherché dans nos métiers de méranderie et dans les métiers de la tonnellerie pour fabriquer les tonneaux. On a besoin d'accroissements relativement fins pour que le bois apporte le meilleur de ce qu'il a au futur vin qui le côtoiera. Depuis la nuit des temps, on a toujours cherché à transporter les liquides principalement, mais aussi les poissons, les harengs, entre autres. Donc la meilleure manière de transporter des liquides, c'était de trouver des contenants. Et c'est le chêne, bien naturellement, qui a été l'essence qu'on utilisait le plus possible. Il y a deux chênes qui servent principalement en méranderie et en tonnellerie, soit les chênes sessiles, soit les chênes pédonculés. Voilà. Donc nous, on utilisera depuis le pied jusqu'à 7-8 mètres. Le reste de l'arbre sera transformé en scierie pour faire des charpentes. Une fois que les produits qui seront sortis de notre méranderie arriveront en tonnellerie, il sortira probablement entre 10 et 15 tonneaux. Une fois que l'arbre est arrivé sur notre site de transformation, qui s'appelle une méranderie, on va le tronçonner en morceaux, la plupart du temps, d'un mètre. On met les billons debout pour qu'on les fende. On va les fendre à l'aide de grosses fendeuses mécaniques. Et ensuite, dans chacune de ce qu'on peut appeler des parts de camembert, on va essayer de sortir des planches qu'on appelle des mérins. Et les mérins sont ces planches qui, une fois assemblées à leur consoeur, fabriquent le tonneau. C'est vrai que ce système de fente d'arbres peut paraître parfois un petit peu archaïque. C'est le seul process qui nous permet de respecter parfaitement son fil. Le coin ne triche pas. L'arbre va se fendre comme il doit être fendu. Le chêne a cette particularité que quand il n'est pas transformé dans le sens de son fil, il fuit. Il ne tiendra pas le liquide qu'il est censé contenir. Ce sont des connaissances ancestrales qu'on se transmet de génération en génération, parce que c'est la seule manière de faire un contenant qui ne fuit pas. Notre mérin est terminé, il va pouvoir commencer son processus de maturation. Voilà, pendant un an et demi ou deux ans, ou même parfois deux ans et demi, il va être dehors aux intempéries, sous la pluie, au soleil, au vent, pour tout, lui enlever tous ses mauvais tanins et pour que seul le bon puisse rester, pour donner le meilleur qu'il aura à donner pour tous les vins qu'il côtoiera. Ma passion, c'est d'abord la forêt. Et ensuite, j'ai dévié vers la transformation et la production de mérins parce que c'est quelque chose qui m'anime, que j'aime. Je suis plutôt un homme d'extérieur puisque mes parents étaient agriculteurs. Et j'avais le choix entre la terre ou la forêt. C'est plutôt la forêt qui m'a prise. La forêt, le chêne et le mérin. Grosso modo, c'est ça mon histoire. Historiquement, les méranderies et les tonnelleries en France ont toujours été près des régions viticoles. Les grosses régions viticoles, c'est Bordeaux, Cognac et la Bourgogne. Là, on est à Beaune, et c'est là qu'on y fabrique les meilleures barriques pour de très bons vins français. Donc là, la salle de chauffe, où on va monter les tonneaux et les chauffer. Et là, on va aligner les douelles à l'intérieur du cercle. De cette façon. Comment ça s'appelle, ça? La mise en rose. La mise en rose. Un joli nom. On alterne les douelles, donc en mettant une large, une moins large, de manière à avoir une certaine cohérence et une belle tenue de l'ensemble du tonneau. Et donc là, la mise en rose est terminée. Hein, voilà, on va mettre les cercles. Quel volume il fera, celui-là? 228 litres. 228. Donc là, on pose le tonneau sur le feu. On va lui mettre un peu de bois pour alimenter le feu. On va le laisser une vingtaine de minutes. 20 minutes. Voilà, à peu près, selon les bois, les épaisseurs, les origines. On va l'arroser. Ça va faire de la vapeur et ça va faciliter le cintrage. Alors, maintenant, il est chaud. On va l'emmener au cintrage. Il faut aller progressivement. Il faut savoir qu'il n'y a que 2% de la production mondiale de vin qui passe en fût de chêne. Donc ça reste une production marginale et c'est vrai que c'est quelque part c'est un peu le luxe. «
Ah, bonjour. Bonjour, Pascal. Pascal. Ouais, mon mérandier et le tonnelier. Ça, c'est l'année des fûts. C'est comme ça qu'on va retrouver un bon équilibre. On ne met pas tout en fût neuf. En fait, le fût, c'est un vecteur, il contribue, il équilibre les vins, et ça, c'est ça qui est important. C'est tout un ensemble, et sans grand tonnelier, on ne peut peut-être pas forcément faire des grands vins. Donc là, c'est l'aboutissement. On a réussi à faire le lien entre l'arbre qu'on est allé voir en forêt, à transformer les mérins, à les assembler pour faire ce fût. Finalement, ce métier qu'on fait depuis la nuit des temps, eh bien, on se rend compte qu'on fait exactement la même chose et de la même manière que ce que nos ancêtres faisaient. Eux le faisaient avec des process techniques qui ne sont pas ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais finalement, on est assez fiers de pouvoir perdurer tous ces savoirs.